J'ai jeté un CD dans une poubelle et je ne trouve plus lequel. Félix ? Félix Libris. Merci. Qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai jeté le CD de Bartleby the Scribe que lit admirablement Daniel Pénac aux éditions Gallimard. Je n'arrive plus à le retrouver. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il est si intéressant. C'est que Pénac trouve la prosodie idéale pour traduire l'âme de la fonction publique. C'est vrai que si on devait choisir une voie pour la fonction publique, Pénac serait la voie idéale. Ça, c'est ce qui va donner à l'ensemble du roman qu'il lit l'atmosphère générale, ce qui est déjà très important. Ensuite, il a bien sûr une autre force, c'est que dans sa lecture, il est très précis, de façon assez naturelle d'ailleurs, sans en faire trop. Il va vous faire rentrer dans le roman qui n'est pas si simple à comprendre. Donc il faut quelqu'un qui vous le fasse clairement entendre. Et c'est ce que Pénac réussit à faire admirablement. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait. Imaginez ma stupeur. Non. Ma consternation. Lorsque, sans quitter sa solitude, Bartleby répondit d'une voix singulièrement douce et ferme : « Je préférerais pas. »